Bonjour à tous, ici Asvog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire une petite review sur un micro de chez OK. Il s'agit du OK MIW1. Avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire que c'est une vidéo en partenariat avec la marque OK, donc ce n'est pas une vidéo placement de produit ou sponsorisé. Donc la marque OK m'a envoyé le produit pour que je puisse donner mon avis, je peux dire ce que je veux, j'ai le droit de dire si c'est bien ou pas. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir en détail. Qu'est-ce qu'il peut faire ce petit micro? Est-il bien pour son prix? A-t-il un bon rapport qualité-prix? On va voir ça en détail maintenant. Pour cette partie unboxing, on va retrouver un packaging vraiment simple, donc avec un carton recyclé comme d'habitude de chez OK. On va retrouver dans ce dernier une carte de garantie, un manuel d'utilisation. Dans une autre petite boîte en carton, on va retrouver un trépied de table avec un adaptateur microphone de 3,5 mm pour pouvoir utiliser le microphone sur par exemple un téléphone, le microphone en lui-même, sans oublier le câble XLR vers jack pour pouvoir relier le microphone sur par exemple un ordinateur ou autre. Au premier regard de ce micro, on va retrouver un design qui est plutôt simple ou si vous voulez compact. Donc on va retrouver une couleur en noir avec du bleu sur le contour du microphone ainsi qu'une partie grisée dans laquelle on retrouvera le centre du microphone. Pour les petites fonctionnalités de ce microphone, on va retrouver un petit gain qu'on pourra ajuster. Il se situera en bas du microphone. Cela permettra soit d'augmenter ou de diminuer le volume de votre microphone. On va retrouver de plus un petit trépied de table qui permettra de tenir le microphone. Donc après, par la suite, vous pourrez vous acheter un petit bras qui vous coûtera environ 20€ sur Amazon. À retenir, ce trépied est en plastique, donc il peut se casser facilement, donc faites attention. Et aussi, je vous ai pas parlé du câble, donc on va retrouver un câble qui est plutôt simple, qui se branche en jack, donc XLR pour la partie microphone et jack pour le brancher soit sur votre téléphone ou votre ordinateur. Donc je tiens à vous dire que c'est un câble qui est plutôt simple et qui peut s'abîmer facilement durant les années qui vont suivre, donc faites attention à ça. Pour les spécificités de ce micro, donc on aura le modèle MIW1 comme j'ai dit au début de la vidéo. On aura un microphone qui sera omnidirectionnel, donc cela veut dire que le micro captera toute la pièce et non pas une seule partie comme les microphones cardioïdes, exemple Bird UM1 ou encore le OK GDG1. On va retrouver une fréquence de réponse entre 50 Hz et 16 kHz avec un poids de 272 grammes. Ce que je vais faire actuellement, c'est faire 3 tests audio, donc un avec la qualité brute, un avec le logiciel VoiceMeeter et un autre avec le logiciel Adobe Audition. Voici la qualité du microphone OK MIW1 sans modification sonore. Test du microphone OK MIW1 avec des modifications sonores que j'ai réalisées sur VoiceMeeter. Test du microphone OK avec les modifications que j'ai pu réaliser sur Adobe Audition. Donc là, je vous ai fait actuellement 3 tests audio et donc on va comparer un tout petit peu. Le premier test audio était un test brut, si vous voulez. Donc j'ai remarqué que la qualité était plutôt juste parce que on avait comme l'impression qu'on parlait dans une bulle ou autre. Après, pour enregistrer avec une qualité brute, je trouve que c'est pas si top que ça. Enfin, pour les vidéos, c'est pas vraiment top. Mais après, bien sûr, pour parler sur Skype ou autre, ça peut passer. Par contre, lorsqu'on commence à utiliser VoiceMeeter ou encore Adobe Audition, ben on sent qu'il y a une différence en fait. Donc à partir de VoiceMeeter, bah là vous pourrez commencer à enregistrer vos vidéos, parler sur Skype ou autre. Mais après le premier test, je trouve que c'est un peu limite. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai deux liens, donc un lien pour un tuto VoiceMeeter et l'autre pour un tuto Adobe Audition qui lui sera en anglais. Et aussi petite remarque, j'ai remarqué que durant ces 3 enregistrements, on a entendu un petit bruit de fond. Donc cela est tout à fait normal parce que sur votre carte mère, vous n'avez pas une bonne qualité. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'acheter une petite tête de mixage qui vous permettra d'améliorer le gain et surtout de retirer les bruits de fond. Tous les liens seront dans la description.
Petite conclusion avant la fin de cette vidéo, donc ça sera un micro pour les personnes qui n'ont pas vraiment le budget pour s'acheter par exemple un Bird UM1 ou autre. Ce microphone vous suffira pour parler sur Skype ou sur Discord et comme je l'ai redit, enregistrer si vous utilisez VoiceMeeter ou Adobe Audition, donc c'est plutôt pas mal et on a en plus un très bon rapport qualité-prix. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et aussi si vous voulez mettre un petit commentaire constructif à propos de ce microphone, donc posez-moi des questions si vous voulez plus d'informations à propos de ce micro. Donc voilà, j'espère que cette revue vous aura plu et je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde, c'était Asvox.